On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo par rapport à la toile et mon projet duo avec Yvette, donc une abonnée. Donc c'est la fameuse toile de Groot. Du coup, il va avoir un petit peu de changement sur cette toile. Normalement, on tirait une case tous les 15 jours en alternance avec le projet avec Vanessa. Et du coup, là, pour les vacances, on va stopper la toile Groot. On reprendra pas avant septembre, je pense. Voilà, donc moi, je vais vous faire voir de toute façon mon avancée à l'heure actuelle. Je vais tirer le numéro de la quinzaine, mais ne vous étonnez pas, il n'y en aura pas d'autres après. Donc juillet, août, il n'y en aura pas et on reprendra pas avant septembre. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases. On va faire la huitième. Huitième case. Et je vous rappelle, c'était une toile avec 32 cases. Voilà. Donc je vous fais voir mon avancée et on fait le tirage au sort après. Et voilà. Alors, pour l'instant, je suis assez bluffée des couleurs. Je trouve que ça ressort super bien. Là, j'aime beaucoup le dégradé avec les briques du mur. Je trouve que ça fait super joli. Les couleurs, elles vont super bien ensemble. Donc, voilà. Donc, j'ai mes 7 cases de fait. Et cette case de fête et on va tirer la huitième, hein. Allez, on est parti pour le tirage au sort. Donc c'est bien le projet avec Yvette. Le dernier numéro, c'était le numéro 5 qui était là. C'était une grande case de 12 carrés. Et là, on y va. Sur le numéro. Ah bah du coup j'ai trop zoomé. Donc c'est le numéro 21. Et bah décidément c'est encore une grande case de 12 carrés juste ici. Alors. Et passer la case. C'est 7 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, c'est cette grande case. Cette grande case là. Bon, bah finalement, ça tombe bien. C'est une grande case, c'est une 12 carrés. Donc, j'ai jusqu'à septembre pour la faire. C'est pas mal. Voilà, donc du coup, ça tombe bien. C'est une grande case à faire, hein, 12 carrés, comme vous l'avez vu. Donc, j'ai jusqu'au mois de septembre pour la faire. Donc, je vais y aller tranquillement. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de changements de couleurs. Donc, ça va bien se passer, hein. voilà, J'espère que le projet pourra redémarrer en septembre. Je croise les doigts, il n'y a pas de raison. Yvette, repose-toi bien. Moi, de toute façon, je t'ai dit sur le mois d'août, je l'aurais pas avancé la toile puisque je vais partir en vacances. Et là, ça va être un peu compliqué pour moi pour les vacances d'emmener des toiles. Donc. J'aurais pas fait de point de croix pour le mois d'août. Donc, pas d'inquiétude. Et on la reprendra tranquillement sur le mois de septembre. Sur ce, je vous souhaite de bonnes petites croix. Bonnes vacances. Il y en a qui doivent peut-être l'être déjà. Donc, bonnes vacances à tous. Reposez-vous bien. Profitez bien de votre famille. Je vous souhaite du beau temps. Du beau temps et profitez tout simplement du temps libre que vous avez
bonne petite croix et à bientôt. Ciao, ciao, bye bye. Thank you.